sais pas ce qu'il fait là-bas. Alors, je sais pas ce qu'il fait ici. Avec les hommes, il faut s'attendre à tout. Après ça, c'est foutu les mois après. S'il n'y a pas de communication, ça sera difficile. L'amour à distance existe-t-il de nos jours? Non. Parce que il y a la jalousie ce qu'elle a. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un soit de l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait ici. Bon, moi franchement, je ne crois pas à l'amour à distance. Parce que je suis très jalouse. Quand je serai là, je serai toujours pensive. Je vais penser à mon homme qui est avec une autre là-bas, parce qu'avec les hommes, il faut s'attendre à tout. Donc, je vais penser qu'il est là fondé autre foyer là-bas. Il y a ça. Donc, la jalousie va faire que non, je vais lui mettre une pression. Et puis, bon, les hommes n'aiment pas la pression, il va se séparer de moi. C'est pas possible. Parce que la plupart des relations comme ça, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas aimer quelqu'un à distance. L'amour à distance de nos jours. De nos jours, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai vécu cette expérience-là. Et après, j'ai vu que l'absence s'est foutue de moi après. Donc, comment croire actuellement encore? C'est pas possible que je croie encore à ça. Vu que la distance même déjà, imaginons, cette distance-là, déjà, elle divise les personnes en fait. Il y a des paroles qu'on ne peut plus se dire avant qu'on se disait au début. Et un moment aussi arrive où tu vas croiser quelqu'un d'autre là-bas. Peut-être ça peut être ne pas être sentimental, mais la chair, le sexe déjà va commencer à jouer rôle. Et après, vous allez vous oublier sans même le savoir. Donc cet amour à distance-là, pour le croire, il faut être vraiment, peut-être, je peux dire, pieux, religieux, ancré dans la religion, avoir la foi en Dieu, et puis croire en ça. Sinon, si tu es dans ce genre de truc, comme les gens de, comme on l'appelle, l'a dit dans le monde, là, c'est difficile en tout cas. Selon moi, l'amour à distance, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que ça n'existe pas, quoi. Non, selon moi, c'est pas possible. Et papa, c'est une chose. Non, mais là, à moi, à distance, ça n'existe pas. Vous êtes tout le monde, quoi. Vous n'avez pas le temps de vous voir, à part les SMS, les appels sur mon mail. Que faut-il faire pour supporter l'amour à distance? Essayez de se rapprocher de toi un peu. Quand il y a la communication, il y a la confiance. La communication et la confiance. S'il n'y a pas de communication, ça sera difficile. Parce que tu ne sais pas ce que l'autre fait. Tu l'appelles aussi. Si tu ne mets pas en confiance là, tu vas t'imaginer des choses. Donc, tout chose, il faut avoir la communication et puis la confiance. Pour que l'amour à distance. Quel jour, mais je ne crois pas en ça. Oh. Donc moi, je n'ai pas solution de ça. Sérieux. Moi, je ne crois pas en la moitié. Je crois pas que ça peut être.